Salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule. Je suis allé donner à manger à mes carpes à mon étang ce matin. Je suis arrivé là-bas et encore grosse déception. Regardez. Filme de près. Bon voilà. Petite déception de l'étang ce matin. La cabane a encore été forcée. Le chalet, regardez la serrure défoncée. Et là, pied de biche passé. En dessous aussi. Putain, tout est tordu. Putain. Voilà ce que les gens s'amusent à faire. C'est pas la première fois. De toute façon, ils ont déjà tout volé. Je sais pas ce qu'ils vont voler là-dedans. Il n'y a plus rien. Ça commence à m'énerver. On arrive pour donner à manger aux carpes. Et voilà ce qu'on retrouve. On va regarder comment c'est foutu quand même. Oh putain. Bon. Regardez l'état de la porte. Bravo, hein. Si je chope les petits malins qui s'amusent à faire ça, je peux vous dire un truc, ils vont pas les retrouver. Parce que de toute façon, la gendarmerie, à chaque fois, ils font rien. C'est toujours la même histoire. Même quand ils se font enfermer, on doit les relâcher parce que l'État ne veut pas les punir parce que c'est toujours la même race de personnes. Donc si un jour je tombe dessus, mais croyez-moi bien que leur famille ne vont pas les retrouver. Ça commence à me saouler. Ça fait quand même 5 fois. Ça commence à m'énerver. Bon voilà, vous avez vu, mon étang a encore été visité pour la énième fois. Donc il n'y a plus rien à voler. Tout ce que j'avais là-bas a été volé. Donc là, ils n'ont pas réussi à rentrer. Ils ont dû être dérangés ou alors c'était des débutants. Mais bon, c'est toujours le même genre de personne. Il y a quelques années en arrière, on avait mis des caméras de chasse. Donc voilà, avec les caméras de chasse, c'est bien beau, on a les images. Bon, je vous ferai pas voir les images avec les visages. Parce que forcément, il faut un droit d'auteur pour montrer les visages de ces personnes. Bon, c'est toujours le même genre de personnes, hein, je vous rassure. Plusieurs fois, on a sauvé les cambriolages parce qu'on était là-bas sur place, parce qu'on avait vu des gens rôder comme par hasard autour. Donc on avait été surveillé la nuit. Mais malheureusement, le chien, vu qu'il est intenable, puis qu'il aboie trop tôt, ils n'ont pas le temps de rentrer. Donc, même avec les vidéos qui ne servent à rien, eh ben, vous payez une franchise parce qu'il y a de la dégradation. Donc à chaque fois, c'est 250 euros de franchise. L'État protège ces gens-là parce que, soi-disant, il y a des représailles et
On n'a pas le droit de les enfermer plus de 24 heures, ils les relâchent. Donc les gendarmes se font taper sur les doigts quand ils en enferment. Comme moi avec la preuve sur les vidéos. Donc ils se font taper sur les doigts, ils sont obligés de les relâcher au bout de 24 heures. Donc résultat, ben, les baisers, c'est toujours nous. Et ces gens-là, ben, vu qu'ils ne sont pas solvables et qu'il ne faut pas les enfermer, ben, ils recommencent. Puis ils recommenceront tout le temps. Parce qu'ils ne sont pas punis, donc pas punis, ben, autant continuer à faire des cambriolages puis à revendre ce qu'on veut. Hein. Donc nous, on se fait chier à bosser, à s'acheter des affaires, essayer d'avoir des petits coins super sympas. On vient vous les dégrader gratuitement. On vous vole tout, on revend. Et mais vous avez juste à vous taire. Impeccable. Donc, mais faites attention les amis, si vous avez des... Parce qu'il n'y a pas que les cabanes au bord de l'étang, hein. Il y a aussi des chalets dans les jardins, les petits les abris de jardin. Il y en a même qui cambriolent dans les maisons. Hein. Et ils ne sont jamais punis ces gens-là, je comprends pas. On devrait peut-être changer de métier. Allez, je vous dis ciao, bye bye. À la prochaine les amis. Cette fois-ci pour une vidéo pêche. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.